Galir se termine. Le week-end, nous étions venus, nous, pour un week-end de qualification pour la finale du championnat du monde l'année prochaine. Il fallait impérativement faire le podium. Nous avons réussi à faire la pole position, donc très bien parti. Et puis après, les aléas de la course ont fait que l'équipe a un petit peu eu du mal à concrétiser ce résultat, si bien qu'on est passé à côté. Pour l'instant, nous ne sommes pas qualifiés pour la finale du championnat du monde l'année prochaine. Il nous reste la possibilité de quelques courses en fin d'année, puisque nous sommes au mois de novembre. Nous avons un gamin de 12 ans qui, lui également, s'est qualifié en individuel pour la finale du championnat du monde, en attendant les filles qu'on est en train de préparer. Puissance Kart est une grosse école de formation et on va continuer à travailler. L'équipe, après la grosse déception, a repris du poil de la bête. On est allé se détendre un petit peu au bord de l'océan. Et puis nous rentrons donc ce soir. Je vais regarder le programme. Maintenant, on va dire place aux filles. On va aller faire un petit tour à Paris pour former cette équipe de filles qui devrait devenir, elle également, une très grosse équipe. L'enthousiasme aussi. Et puis j'ai des gamins qu'il va falloir que je prépare puisque j'ai deux enfants, un junior et un gamin de 12 ans qui vont aller en finale du championnat du monde. Donc je vais accompagner. Et l'image de la Franche-Comté reste toujours présente. Merci les mouettes, c'est sympa ici. Parce que comme vous l'avez compris, on est toujours sur un Agadir. Et puis l'océan n'est pas loin, donc forcément détendu aujourd'hui. Reposé, hier on était très fatigué, il faisait très chaud. Oh ben voilà quoi, maintenant place à la suite. Et puis concentration pour les nouveaux objectifs. L'équipe n'a pas encore dit son dernier mot.